C'est Adam de jour et aujourd'hui on va regarder comment améliorer la symétrie de son visage avec des exercices très simples que tout le monde peut faire. Sans plus tarder, allons voir le premier exercice. Pour le premier exercice qui est très simple, vous allez prendre vos deux pouces et vous allez le mettre au niveau des joues. Ensuite, lorsque vous allez sentir l'os qui est sur la partie supérieure du visage, vous allez descendre la mâchoire inférieure comme ceci, jusqu'au moment où ça devient pas très agréable, et vous allez rester comme ça 5 secondes et vous allez faire des séries de 5. C'est parti. Le deuxième exercice est assez similaire, sauf que cette fois-ci, au lieu des pouces, on va utiliser la paume des mains. On va mettre la paume des mains au-dessus des oreilles et on va étirer la peau et faire la même chose que l'exercice précédent avec la mâchoire, c'est-à-dire descendre pendant 5 secondes. Je viens de me rendre compte que ça va être parfait pour les miniatures YouTube, je vais être comme ça. Et bien entendu, ce sera toujours 5 séries de 5 secondes. Le troisième exercice va vous permettre d'avoir la mâchoire plus symétrique. L'exercice, il est assez bête, mais assez simple. On va commencer par rentrer les lèvres à l'intérieur de la bouche comme ceci. Et ensuite, comme pour les exercices précédents, on va ouvrir et fermer la bouche par intervalle. Et toujours 5 séries, 5 secondes. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer la magie derrière ces trois exercices différents. En général, les asymétries sur le visage, c'est juste une question de muscles qui ont une longueur différente. En particulier les muscles qui sont autour de la mâchoire et du cou. Et cette différence de longueur de muscles peut entraîner un mouvement de l'os, d'où la différente forme de mâchoire chez certaines personnes. Ces exercices sont très utiles quand on les fait quotidiennement, mais attention, ne jamais aller au-delà de la douleur et de l'inconfort. Et rappelez-vous, le corps que vous avez, c'est le résultat de plusieurs années de différentes postures et de contractions de muscles. Donc ça va pas changer en une semaine, donc ne perdez pas espoir. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos qui vont droit au but sans tourner autour du pot, abonnez-vous. Allez, au revoir.